toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire les astroguidances, donc les énergies signe par signe pour le mois de janvier 2024. Donc oui, je réenregistre cette petite intro parce que j'avais dit 2023 dans l'intro précédente. C'est pas grave, je voulais dire 2024, d'accord. Donc l'erreur est corrigée. Voilà, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Je ne peux pas connecter tout le monde, donc c'est normal. Gardez votre bon discernement. Prenez les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs, les modalités pour réserver une guidance personnalisée avec moi. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, la vidéo de votre signe en Vénus selon vos placements pour peut-être avoir des messages supplémentaires. Mais bon, voilà, la guidance personnalisée, c'est toujours plus en adéquation avec les questions que vous pouvez vous poser, hein, clairement. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci, merci, merci d'être présent sur la chaîne. Merci de faire grandir cette magnifique communauté bienveillante. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous. Et sans plus attendre, on passe à vos astro-guidances pour le mois de janvier 2024. Et le dernier signe que nous allons faire, ce sont les Verseaux. Bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez les Verseaux, on commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous au mois de janvier 2024. Pendant que je bats les cartes, dites-moi comment s'est passé votre mois de décembre. Dites-moi comment vous allez, si vous avez passé un bon réveillon de Noël pour ceux qui l'ont fêté. Comme ça, ça me laisse le temps de battre le tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Hop. Allez. Quand ça vient pas, on va la chercher. Allez. Valet d'épée. Bon, eh ben, il y a une ambition, il y a une certaine réflexion. Et vous allez prendre une décision, mais pour l'instant, c'est un peu jeune tout ça, on va dire. Donc, il y a un souhait. Il y a besoin d'y réfléchir avant de trancher, mais il y a une certaine ambition quand même, j'ai envie de dire. On va passer tout de suite aux trois cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi ça nous parle, hein, mes amis Verseaux. Allez, tarot persan de Madame Indira. Trois cartes, hein, pour les énergies, les grosses énergies qui viennent à vous en janvier. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Tarot persan de Madame Indira, c'est parti. Hop. Alors, il y a une communication positive, peut-être concernant le travail ou l'activité. C'est bien pour vous. Ok. C'est hyper positif. Alors, effectivement, hein, il y a cette ambition-là. Alors, ça peut être quelque chose qui vous apporte une certaine stabilité financière. En tout cas, c'est une communication positive qui arrive au niveau du travail. Une lettre, un message. Bon, ben, c'est génial. Hein. Alors, il y a peut-être une petite promotion, hein, les Verseaux. On va regarder. Une certaine ambition quand même, hein. Vous avez envie de grandir un petit peu, là on voit que petit à petit, si c'est dans le professionnel, vous allez gravir déjà des échelons, des solutions qui arrivent, la destinée, la clé qui ouvre la porte du destin, une communication qui vous ouvre grand les portes du destin, magnifique. Écoutez, c'est lunaire, c'est solaire, même pas lunaire. C'est lumineux, c'est un point de départ vers quelque chose de plus... c'est un point de départ, c'est-à-dire que pour moi, ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, donc il y a une élévation qui arrive petit à petit, mais vous débutez dans cette élévation. C'est joli, hein?
très très joli. On passe au 77 d'Aliaske, mes amis Verseau, pour voir un petit peu les énergies générales. Alors dites-moi comment ça vous parle, ça, ce tirage, hein, ces grosses énergies. On va sur le général avec les 77, là tout de suite, pour les Verseau, pour le mois de janvier 2024. On va faire une petite coupe. Alors, il y a un équilibre qui arrive. Ça peut être un papier légal, administratif, juridique. Mettez ça dans votre contexte pour un éloignement. Alors, bah, peut-être qu'effectivement, vous avez votre mutation. Vous avez, voilà, hein, mais il y a quelque chose qui arrive. Vous allez récolter. Vous allez pouvoir enfin vous reposer sur vos lauriers, j'ai envie de dire. Ça va faire ouf. Hein, voilà. Allez les Verseaux, tirage en 9 cartes avec les 77 d'Aliaske. Tableau en 9 cartes pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024. Énergie générale avec les 77. Donc on va prendre des messages et puis... voilà, pour ceux ou celles qui n'auraient pas eu leur message là, vous avez une deuxième chance avec les Gilded, une troisième chance avec le Béline. Donc, voilà. Et après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Sachez que les guidances personnalisées, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec ben voilà, ce que vous pouvez vivre et les questions que vous pouvez vous poser. Vos temporalités également. Donc, peut-être un besoin de repos, peut-être une envie de se poser, peut-être une envie de se reposer. C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Tiens, un renouveau. Pour d'autres, tiens, un renouveau avec une énergie masculine, on va dire, sur le côté charnel. On voit des discussions sérieuses, d'ailleurs, avec cette personne pour un projet immobilier. D'accord ? Donc... peut-être que effectivement il y a un projet immobilier, il y a une discussion avec quelqu'un de cher à votre cœur. C'est peut-être cette énergie masculine, c'est peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, pour un souhait de déménager, il y a un courrier qui arrive, une communication qui arrive et c'est soudain, d'accord? Et ça va être très, très lumineux, très solaire. C'est pour une expansion. Magnifique. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Allez, fin de cycle pour les Verseaux aussi. Mort renaissance, vous coupez quelque chose sereinement pour le triomphe. Vous avez un triomphe serein, mes amis Verseaux. Épanouissement. Ah bah alors, s'il y a des Verseaux qui veulent tomber enceinte, pareil. J'ai ça. Pour d'autres, il y a des nouveaux projets qui vont vous épanouir. Un nouveau départ avec le triomphe. C'est un nouveau chemin que vous prenez. C'est... vraiment une élévation spirituelle avec un nouveau départ. Ben c'est magnifique, j'ai rien à recouvrir en fait. Hein, vous vous libérez du passé. C'est fait de manière très sereine. En tout cas, vous arrivez vers une zénitude. Vous avez le triomphe grâce à une zénitude. Il y a des papiers, il y a des communications qui vous apportent vraiment cette zénitude, qui vous apporte un équilibre dans votre vie. Changement de voie, changement de direction, nouveau départ, épanouissement. Spirituel, intellectuel, je dirais même physique, parce que j'ai la santé là. C'est le triomphe, quoi. Bah, j'ai rien à recouvrir, hein. Là, je sais pas de quoi vous vous libérez, mais peut-être recouvrir celle-là, mais vraiment, voilà, hein, pour le fun, on va dire. Ouais, c'est la fin d'une situation. L'argent arrive, en tout cas pour certains. Il y a un épanouissement. Donc ceux qui ont un projet immobilier, je l'ai vu en d'autres decks. Bah voilà, hein, vous allez en discuter, ça va se faire. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Il y a l'argent qui arrive, l'abondance, on va dire, hein, un épanouissement, des solutions. C'est lumineux, c'est un nouveau départ, mais c'est qu'un commencement. Hein. Magnifique message les Verseaux. Dites-moi comment ça vous parle. En tout cas, pour le mois de janvier 2024, c'est pas mal. Allez, on passe aux Gilded Reveries pour des messages, d'autres messages
pour les Verseaux qui n'auraient pas encore eu leur message. Donc, tirage général pour le mois de janvier 2024 avec les doubles de rêveries pour les Verseaux. Allez les Verseaux, allez les Verseaux. J'invente des chansons pour vous, imaginez. Du changement, un éclairage sur votre situation. C'est le brouillard qui se dissipe. Donc, alors, s'il y avait des choses dans le brouillard, si vous n'aviez pas de visibilité, hop, ça s'ouvre. Ben ouais, il y a un changement de vie concernant des papiers. Vous allez peut-être signer des contrats qui arrivent, des communications qui vous apportent un changement de vie. Allez. Neuf cartes avec les Gilded Reveries pour les Verseaux, pour les énergies générales du mois de janvier 2024. Verseau, janvier 2024. Allez, c'est parti. Donc, des signatures, des contrats, des communications qui arrivent concernant un projet immobilier, une maison. C'est bien pour vous, ma consultante. Un peu de prudence quand même. Alors, j'ai le couple. Alors, j'ai l'impression que il y a quand même de la prudence à avoir, mais des solutions qui arrivent pour de l'abondance. Donc, si vous attendez peut-être des signatures, vous restez prudent, prudente concernant les propositions qu'on vous fait. Mais il y a des solutions qui arrivent de toute façon. Oui, il y a quelque chose des signatures hein, légales qui arrivent. Alors, ça peut prendre du temps, ça peut être émotionnel, mais il y a un changement de vie. Ouais, il y a une vraie transformation qui arrive pour vous, hein, les Verseaux. OK. Alors. Il y a une opportunité de récolter, là, vous ne la voyez pas forcément venir. Il y a un projet qui va se mettre en place un petit peu à l'insu de votre plein gré. Vous aurez des choix à faire. Il y a une proposition qui se fait un peu discrète pour vous. Il y a une proposition avec des choix à faire parce que ça génère des signatures, des engagements. Les communications arrivent, c'est un nouveau départ. On voit que c'est une opportunité à saisir pour récolter quelque part. Et c'est bien pour vous, ma consultante. Ou si vous êtes un consultant, vous pensez à une femme, c'est lié à une femme. Voilà, mais c'est une proposition qui se fait peut-être un peu discrètement au départ. Alors, je vais recouvrir pas beaucoup de choses parce que c'est hyper positif. J'ai l'impression que vous allez faire votre choix, mais un peu discrètement, un peu, voilà, votre changement de vie, vous n'allez pas le claironner sur tous les toits. Il y a un nouveau projet qui se fait discret pour vous, et finalement, les officialisations arrivent. Alors, attendez, là, j'en ai dans tous les sens. Alors, de temps en temps, mon jeu, il me fait ça, il se met dans tous les sens, comme ça, il me fait des petites feintes. C'est pas grave. Hop, voilà. Il se met comme ça, c'est peut-être moi qui le bats comme ça, mais. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024, j'ai pas grand chose à recouvrir vraiment pour vous. Alors, il y avait peut-être des tensions relationnelles un peu masquées, un peu sournoises, concernant un projet. Il y a eu des réunions un peu, alors c'était tendu parce que les réunions elles étaient un peu secrètes, un peu discrètes, d'accord. Il y a peut-être des personnes aussi un peu malveillantes autour de vous, mais vous aurez des solutions concernant ces personnes-là. Donc s'il y a eu des tensions hein, concernant des rendez-vous extérieurs mais qui étaient discrets. Il y a peut-être des personnes hein, qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui ont essayé d'être malveillants. Vous aurez des solutions concernant ces personnes-là. En tout cas, des communications, les communications que vous attendiez arrivent. Les papiers, vous allez les signer. La proposition est là. Vous aurez des choix à faire. Il va falloir trancher dans une situation. C'est une vraie opportunité à saisir pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. Et quel que soit le choix que vous faites, si vous le faites en conscience, ce sera le bon choix, mes amis. Donc, en tout cas, des jolis messages pour vous, mes amis Verseaux, pour le général. Dites-moi comment ça vous parle.
On passe tout de suite au relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs, les Verseaux. Donc, je suis retournée sur l'oracle des miroirs parce que moi, je trouve sympa aussi. Puis, on m'en avait fait la demande. Donc, vous voyez, hein, je prends en compte. Donc, oracle des miroirs pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024 pour le tirage relationnel sentimental. Allez, c'est parti. Alors, c'est un grand oui. Si vous posez une question, vous aurez la réussite. Ok. Même si ben, vous n'êtes pas super à l'aise. Alors, on voit que vous êtes perturbé par une situation, mais pourtant, vous aurez la réussite. D'accord. Vous posez beaucoup de questions concernant une relation charnelle. Je ne montre pas la carte parce qu'il paraît qu'il ne faut pas la montrer. Voilà. Une rencontre qui peut être un peu charnelle, qui peut être voilà, un peu... Bon. Alors, ça vous perturbe, hein, vous posez des questions, mais vous aurez la réussite là-dessus. Alors, tirage en croix pour mes Verseaux. Avec l'oracle des miroirs, c'est parti. De quoi ça vous parle? Donc, beaucoup de questions vous vous posez. Alors, ça peut être concernant vos enfants, concernant les enfants de l'autre, de votre autre. En tout cas, vous sentez en échec malgré les apprentissages hein, que vous avez faits. Alors, il y a peut-être des tensions aussi concernant vos enfants, concernant des enfants sur des papiers, mais vous allez trouver des accords, ok? Donc, si vous posez des questions concernant des enfants, vous sentez en échec un petit peu, hein, vous inquiétez pas, hein, vous allez trouver un accord là-dessus. Ouais, il y a peut-être un souhait de trouver un accord hein, sur des difficultés avec des enfants. Alors, c'est peut-être avec votre ex. Hein. Alors, on voit que vous êtes soutenu par vos amis. On voit que vous restez serein, sereine concernant une rencontre. C'est peut-être le retour d'une personne du passé avec qui il peut y avoir une relation assez charnelle. Il n'y aura pas de rupture là, dans ce cas-là. D'accord? Donc, soyez serein, sereine. C'est peut-être pour ça que vous dormez mal la nuit. En tout cas, vous aurez la réussite hein, sur ce retour si vous le souhaitez. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir. La fatalité, elle est en contre. Donc... Je n'ai pas trop grand-chose à recouvrir. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, dans le temps, vous avez retrouvé une certaine amitié avec quelqu'un du passé qui aurait pu revenir. C'est peut-être un ami de longue date avec qui, il se passe quelque chose de plus amoureux. C'est peut-être un accord aussi entre vous de rester amis, hein, de toute façon, quoi qu'il se passe, d'accord? Pour l'instant, la relation, elle est que charnelle. Et ça fait peut-être un moment que cette relation n'est que charnelle. Et c'est quelqu'un qui est revenu ou qui revient dans vos énergies. Et c'est une relation qui va rester charnelle un certain temps. Je ne vous le cache pas. D'accord, les amis Verseaux? En tout cas, vous gardez votre libre arbitre, hein, quoi qu'il en soit. Allez, dites-moi comment ce tirage vous parle, mes amis, pour celles et ceux à qui ça parle. On termine avec le Béline pour la conclusion, mais aussi peut-être pour les Verseaux qui n'auraient pas eu leur message. Pour le mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. Verseau, janvier 2024. Hop. Ah bah, il y a de l'argent qui arrive. Alors, il y a une aide. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance. C'est magnifique. Magnifique tirage. Concernant des papiers, alors vous êtes allé chercher quand même hein, des papiers, vous attendiez des signatures, des papiers, ça arrive. Il y a de l'argent qui arrive, il y a de l'abondance qui arrive concernant ces papiers. Ces papiers vous apportent de l'argent, une certaine abondance.
Allez, tirage en croix pour vous, mes Verseaux, pour janvier 2024. Alors, ouais, il y a peut-être eu des tensions en famille, des petites tensions en famille, des gens qui ne vous veulent pas du bien, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Ok. Du changement pour vous. Vous avez été déçu, vous avez été pieds et poings liés à une situation difficile. Et on voit qu'il y a des réconciliations ou des célébrations qui arrivent par rapport à de l'argent, qui arrive pour vous, une abondance qui arrive pour vous. Vous êtes quand même déçu des gens. Hein. Il y a une relation qui vous déçoit beaucoup. Il y a une nécessité aussi peut-être de se réconcilier avec certaines personnes parce que c'est peut-être des personnes de la famille, mais ouais, il y a eu des trahisons en amour. Ok, et alors voilà, vous êtes déçu, donc vous y allez mollo. En tout cas, il y a l'univers qui rétablit le plateau de la balance pour vous. Peut-être de l'argent en jeu, hein, encore une fois, pour une reconstruction doucement mais sûrement. Magnifique conclusion hein, pour vous, mes amis Verseaux. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi si ça vous parle, hein, ces messages. J'espère qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que vous ayez un maximum de messages. On termine toujours avec une carte du Starseed pour voir le message qui vient vers vous, les Verseaux, pour le mois de janvier 2024. Pour les Verseaux. Starseed Oracle pour le mois de janvier 2024. C'est parti. Vous n'êtes pas pour tout le monde. Donc accueillez votre accueil qui vous êtes, accueillez votre bizarrerie et soyez vous-même hein, quelque part. C'est une magnifique carte du Starseed pour le message à méditer pour votre mois de janvier 2024, mes amis Verseaux. Voilà, c'était vos énergies pour le mois de janvier 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux.